un éclair de génie. Tous les mercredis, de 22h à 23h30. Alors Arnaud, je suis vraiment très content de t'avoir. Mais moi aussi, je suis content d'être ici. T'es à l'affiche d'une comédie à Paris qui cartonne. Ça s'appelle Mon meilleur copain. C'est au théâtre Donou à Paris. Et là, tu sors juste de scène. Hein. À la seconde, oui. C'est pour ça que je suis dans un sale état, pardon. Mais on est à la radio, c'est bien. Ouais, non, mais je vois que des gens beaux face à moi, en pleine forme, souriants. Très bien, on a mis une super lumière en plus. C'est ce que j'ai vu, voilà. Vous êtes vraiment fatigué. J'apprécie ta délicatesse, merci. Alors, je crois que vous avez dépassé la 400. Exactement. 400e représentation. Énorme. Ouais, ça fait pas mal. Ouais. C'est super. Et c'est très rare de voir aujourd'hui des succès théâtraux comme ça à Paris. Ouais, on les compte sur les mains. Hein. Oui, c'est arrivé dans le temps. Ça arrive un peu moins aujourd'hui parce que les gens se lassent plus vite. Mais du coup, on est content. Moi, c'est la première pièce où on va aussi loin. Et je trouve ça que c'est vraiment une expérience drôle et intéressante. Ouais. C'est une pièce d'Éric Assous. Ouais. C'est un auteur multi-récompensé, notamment. Deux fois moliérisé, exactement. Il a le prix de l'Académie française. Enfin, c'est un grand auteur. Dans un scénariste de cinéma c'est aussi. C'est ça. Et dans lequel être fidèle en amitié, c'est une qualité. Mais surtout un défaut. Oui. Raconte-nous. Mais en fait, c'est une histoire d'amitié. C'est ça qui est intéressant dans la pièce. C'est en fait deux couples d'amis. Mon personnage qui s'appelle Bernard, il n'a pas un nom très très sexy, mais il l'est davantage. Il faut se tourner vers l'auteur. Bernard a son meilleur ami qui est Philippe. Et du coup, ils organisent une soirée comme ça peut arriver entre amis. Voilà, l'un va chez l'autre avec leurs femmes respectives. Si ce n'est que mon personnage Bernard va demander à son copain de le couvrir pour une petite incartade qu'il a eue avec une stagiaire en disant écoute, rends-moi service pour ce soir. Et ce soir, si tu veux, bah, tu inventes un petit beau bar et ça s'en arrêtera. Là. Ouais. Et comme mon ami est un ami fidèle et qu'on est très liés, bah il va accepter, et en fait il a bien tort d'accepter parce que d'un petit beau bar, il va mettre le doigt dans un engrenage abominable, hein, à tel point que limite sa femme va le quitter, tout ça pour me couvrir. Et la question qui se pose toujours, c'est bah, finalement est-ce que je reste fidèle à mon ami et je le suis jusqu'au bout, sachant que moi je n'ai aucun scrupule, ou est-ce qu'à un moment j'aime quand même ma femme et j'ai peut-être envie de lui dire la vérité que je suis un homme bien, alors ce qui ne paraît pas du tout le cas. Ça, voilà. Alors on t'enchaîne les situations cocasses, les répliques cinglantes, et on va le dire, tu débordes d'énergie. À la fin, il y a une scène extraordinaire, où tu pètes les plombs. Oui, c'est oui. Ah, mais fondamentalement. C'est parce qu'elle est écrite. Hein, voilà. Elle est écrite, bien sûr, mais évidemment. Mais limite, tu te mets à nu. Enfin, oui, nu. Oui, oui, c'est vrai. On, c'est vrai. On voit un bout de ton boxeur. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc tous les soirs, je change déjà, premièrement. Et je mets en plus de surcroît des boxeurs un peu drôles. Mais oui, c'est vrai que ça demande une énergie assez importante parce que c'est un moment où le personnage est au bout du bout. Il est comme dans un coin. Et alors, du coup, il faut qu'il s'en sorte. Et comme il s'en sort toujours, enfin, il essaye en tout cas, mais à un moment, il rivalise un peu d'énergie. Donc c'est physique, mais c'est vraiment agréable parce qu'on est porté par le rythme de la pièce. Puis par mes camarades, on est cinq. Dans cette évidemment, pièce. C'est important. Hein. Donc je suis entouré d'Anthony Marty, qui est donc mon meilleur copain, qui est aussi le metteur en scène. Ma femme Florence Fakimi, ma maîtresse, puisque j'ai une maîtresse, qui est Anne-Laure Estournès, et également donc la femme d'Anthony, qui est jouée par Laure Estelle Nézan. Voilà. Et vraiment, comme on se connaît depuis 400 fois, c'est un réel plaisir. On se fait des petites blagues encore ouais, ce soir. C'est, coup, c'est ça qui est drôle. C'est quoi le genre de blagues que vous faites Ah, mais on aime bien se surprendre, parfois par des répliques qu'on modifie un peu selon l'actu, selon l'humeur, selon les placements. On se met des choses dans les vêtements, on change parfois. tel ou tel liquide dans les boissons, voilà. Et bah, au bout de la 400e, on peut se le permettre. Exactement. Quand même, ouais, c'est ça. Ouais, et il n'y a jamais trop de mémoire. Non, non, non. Enfin, on y arrive à peu près. Non, je crois pas. Ouais. On a la chance surtout d'avoir une pièce qui est bien écrite. C'est ça qui est bien. En fait, la pièce, tu l'as vu, Maxime. Ouais. En fait, elle est écrite de manière assez moderne. Donc, on rentre comme un truc, classique. C'est des gens qui se retrouvent à une soirée. Ça paraît assez simple. Et en fait, on nous emmène très, très, très loin. Quand on voit le début, puis quand on voit la fin, où ces gens sont hirsutes, ils savent plus où ils habitent. On se dit ah ben oui, finalement, on a fait du chemin, quoi. Alors, c'est quoi le succès On va le succès, la clé pour faire une comédie. Réussi au théâtre. On a dû te la poser la question, mais ah ouais. Moi je te la pose vraiment. Ben, je sais pas. non, mais c'est comme une chanson, enfin, c'est comme un spectacle. Il y a une alchimie qui se fait ou qui se fait pas. Oui, je crois qu'il y a tout. Il y a d'abord une écriture. Moi je pense qu'une pièce, c'est d'abord une écriture. Après, bien sûr, on peut faire des choses bien pour faire quelque chose qui est mal écrit, mais on a la chance d'avoir vraiment un orfèvre à l'écriture. Après, je crois que c'est un tout. C'est une équipe, donc une distribution qui est vraiment sympa, dans laquelle on s'entend, et une mise en scène qui est dynamique. Cette pièce, je sais pas si tu le sais, Maxime, elle avait été créée il y a 10 ans. Ça s'appelait pas comme ça, je crois. Comment ah, oui, elle s'appelait la même pareil. Meilleur copain. Elle avait été créée, celui qui tenait mon rôle, c'était Danny Briand. Ah, d'accord. Et Danny Briand et Roland Marquisio. Et depuis qu'il a vu Suzette, il a laissé. Ben voilà, c'est sûr. Il est parti sous d'autres cieux. Et du coup, vraiment, le changement, ne serait-ce, c'est terrible à dire, j'adore Danny, attention, mais le changement de tranche d'âge et le changement aussi de mise en scène, ben, c'est ça qui fait un peu le succès. C'est-à-dire une équipe qui s'entend bien et surtout une mise en scène qui est assez rythmée. Voilà. Ouais, très bien. Est-il vrai que la réaction du public a un impact sur le jeu de scène? À mort. Toi, j'imagine également ça a un intérêt.
rémunérés, mais est-ce que toi, en pièce de théâtre, l'énergie du public impacte le jeu de l'acteur? Oui, d'abord, on sent déjà parfois si les gens ont envie de s'amuser. C'est vrai que c'est pas un secret. Souvent, le samedi soir, le vendredi soir, les gens sont plus détendus. Le mardi, il faut un peu les bouger. Mais en fait, on sent très vite comme un cinquième ou un sixième personnage dans l'espèce, dans la pièce. Mais surtout, ça nous fait réagir parce qu'on a des rires horribles parfois. Mais c'est drôle. C'est-à-dire des rires où nous-mêmes, ça nous fait rire. Donc, du coup, on se dit, oh là là, ça va être compliqué. Ce soir, on a une loutre dans le spectacle. Mais et du coup, c'est ça qui est bien. Oui, on est obligé d'interagir. Anthony, on sait que c'est de plus en plus compliqué de remplir les salles de théâtre, de faire venir du monde au théâtre. Comment vous expliquez le succès de cette pièce? Je sais pas. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Je crois que c'est le lieu qu'on a choisi. Cette pièce, elle a fait diverses salles, mais qui ont toujours des points communs, et notamment une salle où tu es, d'ailleurs, je crois, le Grand Point Virgule. Ah, on a été à un moment, voilà. Okay. On a été à la Comédie Comartin, le Grand Point Virgule. On est au Théâtre Donneau, on a été au Théâtre Michel. Je crois que c'est le lieu. Et puis, je crois que c'est, j'allais dire, une humeur du moment. Voilà. La pièce trouve parfois son public parce qu'elle correspond à un instant. Je pense que les gens, actuellement, ils ont envie de rire. C'est pas une pièce à message, elle est drôle, mais voilà. Et c'est un moment où on va pouvoir se lâcher sans être vulgaire. Et je pense que c'est peut-être ça ce que les gens attendent. Voilà, il y a une équipe jeune, il y a un auteur qui est reconnu. On sent que c'est drôle. Et du coup, ça va sans doute poser des questions après sur l'amitié, bien sûr, un peu plus profonde. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est l'idée de se dire on arrive à, sans doute à un moment propice. Ouais. Voilà. Alors, on a la bande-annonce. Est-ce qu'on a le son de la vidéo ou pas? Est-ce qu'on peut la mettre? Non, on l'a pas. On vous la passera sur les réseaux sociaux. Olivier qui s'occupe des réseaux. Tu n'hésites surtout pas. Alors, maintenant qu'on connaît un peu mieux la pièce, on va faire jouer nos chroniqueurs pour voir s'ils ont bossé autour de toi, de ton univers et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a un jingle, c'est vite fait le est-ce tour, qu'il y a un jingle hein, qu'on peut me lancer peut-être? Non, oui, oui, non, pas le jingle. Vas-y. Bon, c'est très bien, ça me va. Petit quiz autour de la pièce et de toi. Autour de mon meilleur copain. Moi, je ne réponds pas, on est bien d'accord. Où je réponds? Tu ne réponds pas. D'accord. Arnaud, tu es un comédien averti. Mais quel est le vrai métier d'Arnaud quand il n'est pas sur scène? Agent immobilier. Non, mais je vais vous donner trois propositions. C'est mon côté, c'est Stéphane Plaza, ça, non? C'est le petit pull chemise vert, généralement. C'est la combo. Est-ce qu'il est fleuriste? Est-ce qu'il est avocat? Ou encore, il est libre max? Bon, en vrai, je sais, avocat. Oui. Avocat. Ouais. Avocat. Ouais, avocat, avocat. D'accord. Ouais, ah ouais, avocat, mais comment vous savez ça? Mais ils sont bien informés. Bah oui, c'est ce que je vois. C'est alors, moi, j'ai regardé tes mains, je me suis dit, à mon avis, il est pas fleuriste. Parce que c'est à cause de toi que je suis allé 5 ans en prison. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai, tu m'as mal défendu. Alors, mélange les genres. Mais t'es rajeuni, je t'avais pas reconnu en fait. Donc, le jour, tu es avocat, et le soir, tu es comédien. Alors oui, mais de moins en moins, pour être honnête. Mais c'est vrai que ça a été mon premier métier. J'ai même été prof de droit longtemps. Puis après, au bout d'un moment, on peut pas avoir 50 activités parce qu'il faut le faire sérieusement. Puis c'était compliqué avec les étudiants et les étudiantes quand le soir on monte son boxer et puis que le lendemain matin on dit alors voilà, section numéro 1. Enfin, on se prend moins au sérieux. Voilà. Mais donc cette activité, je l'ai parce que mes parents l'étaient, mais mon frère l'est encore aujourd'hui, compris à Marseille. Exactement. Donc je dois confesser que j'ai encore une petite activité, mais c'est beaucoup d'autres personnes qui s'en occupent pour moi. Voilà, ça c'est vrai. Charlotte. Oui, alors moi j'ai lu que en fait vous êtes arrivée au théâtre parce que vous aviez un problème pour vous exprimer face au public. Ouais. Est-ce que c'est voilà. Ça en fait qui vous a amené? Vous êtes arrivé par hasard? Oui. Quand je suis, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez timide. Alors, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Et du coup, je voyais parfois des gens, notamment dans mon métier d'avocat, qui s'exprimaient très bien. Et un jour, j'avais assisté à une plaidoirie d'un vieil avocat. Je me suis dit, c'est incroyable. Et alors, je parle un peu avec lui. Et il me dit, ah ben moi j'ai fait du théâtre dans le temps. Et moi, j'en avais jamais fait. Je connaissais le théâtre très très vaguement, mais même pas à l'école. Souvent, il y a des cours de théâtre à l'école, etc. Et j'en avais pas fait ça. Donc, je me suis inscrit au cours Florent, au départ sur un tout petit module d'accès qui était de 3 semaines. Simplement, en me disant, je vais avoir un peu d'aisance pour pouvoir m'exprimer correctement et pas devenir rouge comme une tomate immédiatement. Et en fait, j'ai découvert ça et j'ai découvert en fait autre chose. Et bah, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, ah bah, c'est vachement plus intéressant. Et du coup, j'ai été attiré et aspiré vers là. Donc, avocat, c'est de moins en moins. C'est 30% sur le reste. Hein. Oui, voilà, il faut le dire à mes collaboratrices. Mais c'est vrai. Deuxième question pour savoir si vous connaissez un peu mieux. Dans quelle série télévisée Arnaud a-t-il joué? Dans Julie Lescaut, dans Engrenage ou encore dans Premier Baiser? À votre avis, Engrenage. Premier Baiser, c'est sympa pour mon âge, hein, merci. Il est 90. Engrenage. Engrenage, est-ce que c'est Engrenage? Oui, c'est Engrenage. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Mais c'est par hasard. C'est voilà, quelqu'un qui était venu me voir au théâtre dans une autre pièce. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que je, au théâtre, j'aime bien jouer les comédies parce que ça me plaît bien. Puis je crois que un physique un peu, sans doute un peu décalé. Et je sais pas pourquoi, à l'image, que ce soit au cinéma ou à la télé, on me donne toujours des rôles horribles. Le psychopathe, le connard, l'huissier.
pompier, le commissaire de police véreux, voilà, etc. Et dans Engrenage, c'était un peu le cas. J'étais un élu municipal véreux, donc c'était le type, la pourriture, ouais. Voilà, fait homme. Mais du coup, l'expérience était très intéressante. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Les Hommes de l'Ombre, ouais, sur France 2, Cher Voisin. Exact, ouais. Ouais, ça. Et qu'est-ce que tu as préféré, le cinéma ou le théâtre? Alors, c'est pas très politiquement correct, mais j'aime bien le théâtre. Alors, j'aime bien aussi le ciné, c'est vrai, il y a un côté instantané qui est sympa. Après, moi, je suis un garçon un peu impatient, donc j'aime pas trop attendre. On attend beaucoup, 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 ouais, souvent au cinéma. On tourne parfois 2 minutes en une journée. Il y a une question de lumière, ouais, de son, de machin, etc. Après, c'est agréable. Mais c'est vrai que le théâtre, j'aime bien parce que je trouve que c'est tous les soirs, déjà. Nous, là, on joue du mardi au samedi, donc c'est on a intense, que le dimanche, ça, et le lundi. Et on remet tous les soirs, finalement, sur le métier, le truc. Alors, il y a des soirs où on sort, on a l'impression d'être le roi du pétrole. Mais le lendemain, très vite, on a compris que c'était pas ça. Rien n'est acquis. Ouais, donc, on a à la fois une réaction immédiate des gens, donc ça, c'est un peu valorisant et puis c'est bien. Mais surtout, ça remet les choses en place. Rien n'est jamais établi. Il y a le contact, ouais, avec le public au final, ouais, que vous n'avez pas au cinéma. Exactement, exactement. Il y a un côté parfois qui est un peu artificiel, non pas au cinéma, mais alors on a d'autres émotions. C'est-à-dire qu'il y a un côté plus outré au théâtre. Au théâtre, voilà, un chuchotement, il est très fort. Qu'au cinéma, on a vraiment une caméra qui peut vraiment filmer les yeux. Et là, le moindre clignement laisse passer une émotion sans doute beaucoup plus subtile. Mais c'est vraiment deux exercices, ouais, différents. Anthony, tu dis prendre plus de plaisir dans la comédie, ouais, que par rapport à d'autres styles. Est-ce que finalement, c'est pas aussi un échappatoire par rapport à la réalité de l'avocat où les histoires sont souvent moins drôles? Oui, 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 c'est possible. Oui, oui, c'est fort possible. Après, je crois qu'il faut avoir conscience aussi d'une part de ce qu'on aime et de ce qu'on dégage aussi. Et moi, je crois que, voilà, peut-être par le décalage que j'ai entre ma voix, le physique ou je ne sais quoi, c'est peut-être plus propice à la comédie. Puis un côté, je veux le dire, assez jouissif. Parce que qu'est-ce que c'est que la comédie? En fait, c'est du drame. Mais du drame dont on rit, en fait. Et là, cette pièce, elle est super dramatique. Mais je trouve ça tous les soirs, encore ce soir, les gens riaient de manière odieuse. Une situation horrible. Le pauvre gars, il était dans la merde jusqu'au bout. Sa femme le laissait tomber, tout ça. Et les gens riaient de plus en plus. Et je me dis, il y a des fois un élan de vérité. C'est peut-être, voilà, sans doute pour échapper à non pas une noirceur ambiante, mais à une routine. Ouais. Juste après, oui. Pardon. En tout cas, le métier finalement d'avocat et de comédien se rejoignent quand même assez. Parce que quand on, ouais, est avocat, on est acteur finalement. Bien aussi, sûr. Devant une audience, devant, bien sûr, des spectateurs, entre guillemets. Bien sûr. Donc finalement, le choix est de devenir acteur. Alors, il est inconscient, mais il est sans doute logique. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Après, il y a des enjeux plus forts quand on est avocat, sans doute, que là, au pire, oui, bon, voilà, les gens riront moins. C'est mais, plus mais sympa après, au théâtre. C'est pas faux. Deux dernières questions pour en savoir un peu plus. Quelle est la durée de la représentation de Mon meilleur copain au théâtre de nous? 1h10, 1h40 ou 2h30 avec Entracte? 1h40. 1h10, moi je dirais. 1h40. 1h40. Ouais, et 1h40. C'est 1h40. 40, oui, c'est vrai. C'est dense, hein, et tu, ouais, ressors la chemise trempée. Oui, mais alors ça, c'est très drôle parce que, comme quoi une pièce évolue au bout de 400 fois. La première fois, on l'a joué. On a fait venir, bien sûr, Eric, l'auteur Eric Assouf, avec lequel on a travaillé. Alors, on avait vraiment pris toute la pièce à la virgule près. Elle a duré 1h13. Et alors, il sort avec son chronomètre. Et l'auteur dit, ah, c'est bien, mais c'est un peu rapide. Du coup, finalement, on dit, ah, bah, on a fait des coupes dans cette pièce parce que, bon, parfois, les pièces, il faut qu'elles aillent un petit peu plus rapidement pour qu'il y ait du rythme. Et aujourd'hui, en faisant des coupes, à un moment, elle faisait 2 heures. Donc avec moins, oui, de texte, ça durait plus longtemps. Donc Eric Assou est revenu, il a dit bon là c'est un peu long. Donc là on est à 1h40, ce qui est bien. Voilà. Ouais, c'est super. Mais comme quoi c'est variable. Mais, oh, oui. Pardon. Ouais. Mais, eh ben dis donc, excusez-moi, vous arrive. Excusez-moi pas trop. Non mais du coup qu'est-ce qui fait varier la longueur en fait de. Je vois venir Anthony, attention. Non, mais c'est la durée du rire. Je crois que mon voisin a des réponses à ça. Je dirais l'excitation. Mais voilà c'est ça, c'est le plaisir. Non, mais je veux dire la durée sans plus de texte. Alors ça veut dire quoi que vous avez rajouté au niveau mise en scène? Voilà, il y a plein d'effets de mise en scène que Anthony Martin, notre metteur en scène et comédien, a trouvé et qui sont drôles et qui du coup prennent du temps, même s'il n'y a pas de texte. Et puis surtout, vraiment, c'est l'humeur du moment et c'est les rires. Il y a des fois des salles qui sont très rieuses. Et parfois, il faut qu'on s'arrête à un gros moment parce que les gens, ils comprennent. Exactement. Pour le rire, quoi. Et même, c'est assez sympa, je trouve, à la fois jouissif pour nous et même pour le public, d'apprécier toutes les blagues. Et comme il y en a plusieurs, ouais, on se dit, on prend notre temps. Et du coup, voilà, on prend des minutes. Rallonge. Exactement. Ouais. Très bien. Et enfin, dernière question, et Maxime, je te donne la parole juste après. Quel est le point commun entre Arnaud et Adrien? Est-ce qu'ils pratiquent tous les deux le piano? Est-ce qu'ils ont le même âge? Ou est-ce qu'ils tous les deux ont travaillé avec Laurent Ruquier? Ils ont le même âge. Non, le piano. Le piano. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, le piano. Laurent Ruquier. Bon, je pense que c'est le piano. Ouais. C'est ça. T'as pratiqué le piano, toi, le piano classique? Alors, les deux. Moi, j'ai fait le classique au départ, mais je joue beaucoup moins bien que toi. Hein, mais j'ai fait du classique au départ, puis comme en fait j'étais un peu dissipé, après j'ai fait du moderne, du jazz, et puis de l'harmonie, parce que j'aimais bien composer, en fait. Et du coup, j'ai fait longtemps, il y a plusieurs années,
années, quand j'étais jeune, je faisais du piano bar. Donc ça, c'est sympa. Alors c'est un peu terrible parce que dans le piano bar, en général, personne écoute en général. Puis il y a toujours une vieille qui vient et qui demande une chanson improbable. Alors bon, heureusement, on la connaît. Bon, si c'est la vie en rose, ça va. Mais c'est un bon exercice. Oui, mais je suis pas virtuose. Mais on a quand même un autre point commun qui est Laurent Ruquier, parce que moi, j'ai joué une pièce de Laurent qui était Grosse Chaleur. Voilà. Et surtout, notre point commun, j'ai entendu que tu as fait les cours Florent. Exactement. On a un deuxième point commun. Alors, non, troisième, vous êtes nés le même mois en plus. En mai J'ai dit ça comme ça. Ouais, non. Non, je me suis dit un troisième, c'est cool. Ça met 203. Bien, Maxi, t'avais une question ? Oui, alors, et toi, à choisir, si tu étais dans la peau d'Anthony Marty, oui. Est-ce que tu choisirais plutôt ton épouse ou plutôt ton meilleur copain ? C'est une sale question, ça. C'est une question pas sympa. Non, mais alors, ce soir, il veut dormir dans le lit. Dans la vie, je vais faire une réponse de Normand, j'essaierai de concilier les deux. Voilà, mais très bien, ça me va. Je sais pas. Après, ce qui est drôle, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, les gens parlent beaucoup, et c'est très étrange, quand les gens vont au théâtre, aujourd'hui, ils s'expriment pas mal, un peu comme devant la télé, finalement. Et donc, on entend très souvent dans la salle plein de réactions. Alors, moi, je m'en prends la figure en général. Moi, je me fais traiter de tous les tons. Et notamment, quand je monte chaque fois le curseur un peu plus et que je demande à mon copain de m'aider encore un peu plus, très souvent les gens prennent parti pour lui en disant oh ben non, elle va pas accepter. Bon, mais alors on est tenu par le texte. Alors, très souvent ils nous attendent à la sortie, mais vous auriez dû lui coller une barre, vous auriez dû lui dire non, mais on ne peut pas. Mais donc du coup, il y a ce choix vraiment que les gens posent. C'est mon meilleur copain. Bravo à la Cuisine de nos plusieurs fois par semaine. Allez-y, c'est hilarant.